Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et le Niger vont mutualiser leurs efforts. Le Burkina Faso et le Niger se sont engagés lundi à Ouagadougou à mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que vivent les deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé le président du Burkina Faso dans un communiqué. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, a reçu en audience lundi après-midi le ministre en charge de la défense du Niger, Alkassoum Endatou, et du Burkina Faso, le général Barthélemy Sempore. Nous avons fait le tour de la situation sécuritaire dans nos deux pays, en passant en revue la situation au Niger et au Burkina Faso, en regardant les conditions dans lesquelles nos différentes forces sont en train de travailler actuellement, a indiqué M. Endatou, cité par un communiqué. Selon le communiqué, le Burkina Faso et le Niger ont convenu de la nécessité d'agir ensemble à travers le renforcement de leur coopération dans le domaine de la défense par un accord de coopération militaire et de multiplier les opérations conjointes sur le terrain. Au-delà des opérations ponctuelles, nous envisageons de faire des opérations régulières et permanentes sur le terrain entre nos différentes forces armées pour permettre à nos forces de récupérer le terrain, a ajouté le ministre nigérien. Les deux parties ont aussi passé en revue la situation sous-régionale et ont fait part de leur volonté de travailler et de revoir leur coopération avec le Mali pour une meilleure synergie des actions. Elles se sont engagées et travaillent avec le Bénin pour renforcer la sécurité au niveau des frontières entre les pays selon le même document. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Partagez celle-ci avec vos amis et laissez vos impressions en commentaire si vous l'avez trouvé notamment intéressant. Merci et bon visionnage à tous.